Les voix officielles féminines sont toujours plus nombreuses, plus fortes et plus belles dans le monde artistique que dans le monde politique. Cette rencontre au sommet en est la preuve. Nous attendons présentement, ici au Château Frontenac, deux remarquables ambassadrices, Marie-Claire Séguin du Québec et Morane de la Belgique. Elles viennent de signer un nouvel accord qui devra solidifier une fois de plus les relations Québec-Belgique. Elles doivent se rencontrer pour préparer leur déclaration officielle. Nous aurions aimé pouvoir nous immiscer à cette réunion, mais ces dames ont exigé le huis clos jusqu'à ce qu'elles rencontrent le grand public. Mais voici qu'elles arrivent. Oui, tout d'abord, Marie-Claire Séguin, une des plus belles voix du Québec, le pays hôte du sommet, qui descend de voiture. Marie-Claire Séguin, co-signataire de la chanson officielle du Sommet de Québec, auquel participeront bientôt les chefs d'État à qui les artistes auront ouvert la voie. Et Morane, chanteuse belge fort appréciée dans toute la francophonie. Notre ministre des Relations internationales vient d'ailleurs de lui présenter le prix Québec-Wallonie-Bruxelles. Morane qui descend de voiture. C'est un grand moment de ce sommet franco-sonique. Les deux éminentes ambassadrices échangent présentement une poignée de main historique, poignée de main qui solidifiera les relations entre le Québec et la Belgique. Après leur rencontre de cet après-midi, elles feront une déclaration officielle conjointe sur la scène du Pigeonnier. Bon, alors est-ce qu'on passe tout de suite à l'accord Morane-Séguin? Oh oui, on pourrait y passer. Est-ce que tu permets? Oui, je peux te dire. On a dit oui. Est-ce que tu permets qu'on s'entende comme sur quatre musiciens sur quatre musiciens chacune pour le spectacle? Tu en as combien, toi? Quatre? J'en ai quatre. Pas un de plus? Non, j'en ai pas un de plus. Je veux bien te croire, mais je vais quand même faire vérifier. Vous pourrez faire vérifier, mais ça serait quand même important qu'il y ait un climat de confiance au départ. Alors, si je vous dis que quatre c'est musiciens. Vrai. Bon, t'as une bonne tête, je vais te faire confiance. Bon, alors, on conclut quatre musiciens, pas un... T'as combien de matériel sur scène? Il y a quand même beaucoup de synthétiseurs, ordinateurs et séquenceurs. Beaucoup, c'est-à-dire combien de synthétiseurs? Ah, bien, il y a l'équivalent de quatre synthétiseurs. Ah non, ça, c'est pas possible, parce que moi, j'en ai trois, non, toi, tu peux pas en avoir quatre. Oui, mais il y a un pianiste aussi, toi. Ah, tu comptes pas comme... Oui, alors, voilà. On s'entend alors, quand même quatre bon. Musiciens ben, oui, et synthétiseurs, va. Oui. Oui. C'est quoi, vous, votre... Les stratégies... Les stratégies vocales, là, ah, il y a des stratégies vocales que je fais tous les jours, c'est important, oui. Ça a l'air fou, juste comme ça, parce que c'est non, des... Non, ça peut être intéressant d'être fou. Oui, c'est là, d'ailleurs, l'intérêt. Ça ressemble à des miam, 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 des yo-yo-yo, des du-du-du ah, oui. Et des... Moi, c'est au plus on est ridicule, au plus la voix, elle fonctionne. C'est-à-dire, il y a ce genre de cri. C'est des petits exercices de menton. Et puis au plus le nez il va comme ça, au mieux la voix elle passe. Alors comme nous sommes censés pratiquer aussi pour faire un beau spectacle et que nous avons des choses à faire au niveau de la voix pour que la voix soit claire ce soir, je propose que nous continuions cette réunion comme ça. C'est sûr. Oui. Revenons à l'heure du jour. On était dans les accords. Je pense qu'on peut s'entendre à demander du beau temps pour ce soir. J'ai déjà presque signé un contrat avec le gars du dessus. Oui. Monsieur Cumulonimbus Stratus. Il reste Cyrus. Que ça se termine par us de toute façon. Puis je lui ai dit que... On avait besoin. Voilà, on avait besoin de soleil. J'ai fait la même chose, voilà. Même si c'était pas soleil, parce que oui. On s'entend qu'il pleut pas. Voilà. Qu'on puisse le faire. Voilà. Et voici ce que Morane et Marie-Claire Séguin ont déclaré au public après leur rencontre.